Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette des sushis. Vous verrez, ils sont très sympas à réaliser comparé à ce qu'on en dit. Et donc, pour cela, il vous faudra des feuilles d'algues de nori, d'un concombre, donc deux saumons fumés. Moi, je le préfère au saumon frais, de 7 cuillères à soupe de vinaigre de riz, de riz à sushi, d'une cuillère à café de sel et de 3 cuillères à soupe de sucre. Je vais couper le saumon en lamelles. Aïe, j'ai oublié l'avocat. Le concombre en lamelles. Ainsi que l'avocat. Ensuite, je vais rincer le riz plusieurs fois. Et je vais le verser dans une casserole avec 590 g d'eau. Et je vais le faire cuire à feu doux jusqu'à ébullition avec un couvercle dessus. Voilà, une fois l'ébullition, je vais laisser couvert encore 5 minutes et je baisse le feu. Voilà, je vais encore laisser 10 minutes. Une fois les 10 minutes écoulées, je vais réserver de côté et je vais m'occuper de ma sauce vinaigrée. Alors, je vais mettre 7 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Je vais rajouter les 3 cuillères à soupe de sucre. La cuillère à café de sel et je vais laisser cuire jusqu'à ce que le sel et le sucre se diluent. Une fois que le sucre n'est plus visible, je vais laisser refroidir. Je vais venir verser le riz dans un saladier. Je vais y verser la sauce vinaigrée. Et je vais mélanger sans écraser le grain de riz. Voilà, et je vais le laisser refroidir. Une fois le riz refroidi, je vais venir prendre les feuilles de nori. Et je vais venir mettre le riz sur la feuille. En laissant environ 1 cm de chaque côté. Je vais venir mettre le concombre,
le saumon. Et je vais rouler. Et voilà. Je mets de côté. Voilà, et je vais continuer. Je vous laisse regarder. Et voilà, j'ai terminé le roulage. Maintenant, je vais passer à la découpe. Donc, je vais prendre un couteau bien aiguisé que je vais tremper dans de l'eau et je vais venir couper de la grosseur que je veux. Et à chaque fois, je vais mouiller le couteau. Et voilà, mes sushis sont prêts. Reste plus qu'à les déguster. Si la recette vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.